objective and then they find the one that matters most. C'est l'affrontement du top 6, mesdames et messieurs, l'élite de l'élite, quasiment des faux playoffs, des playoffs si on les faisait voilà, en tout début de saison, cher Tréton, dans un petit format BO1, on n'a que des belles affiches qui nous attendent pour terminer la soirée de LEC, à commencer par ce sublime Excel contre Rogue, les tyrans de la saison régulière face à la nouvelle équipe sensation du LEC. Ah, c'est clair qu'ils font sensation, les XL, de par le playstyle, de par les drafts, de par le fait qu'ils ont un visage totalement nouveau par rapport au Spring, et en réalité Rogue aussi, un visage nouveau et peut-être dans le mauvais sens du terme par rapport à leur début de Spring. Oui. C'est vrai que ce début de Summer est quand même beaucoup moins convaincant. C'est un de leurs pires, c'est un de leurs pires dans les années récentes, mais ça ne veut rien dire bien entendu. Dans une saison régulière, 18 matchs, on n'est même pas encore à la moitié, les Rogue ont tout à fait la marge de manœuvre pour rebondir. Mais une victoire contre Excel voudrait dire... Attends, mais ils sont combien derrière, là? Ils sont 15 000. Bah attends, mais il y a des deux, coachs, assistants coachs, porteurs de feuilles. Qu'est-ce qui se passe? Alors qu'en face, il n'y a que le Chad Yunbuck. Général 6 étoiles, avec ses superbes chaussures, pas du tout assorties à la ceinture. Ouais, mais les chaussures ont un flow, quand même. C'est criminel, ce qu'il fait, en vrai. Non, moi, j'aime bien. Chaussures marron, ceinture noire? Respect à lui. Il change les codes. Il change les codes. Attends, ils sont beaucoup aussi derrière Rogue. C'est vrai qu'ils sont beaucoup, hein, mine de rien. Non, ouais, si, ils sont trois quand même. Hein. Il y en a qui n'ont pas de casque. Mais pourquoi il y a autant de monde d'un coup là? Je sais pas trop. Tiens, c'est Nelson, du coup, c'est ça, à côté de Youngbuck, j'imagine. Il y a même des photographes. Mec, on est où là? Ouais, j'avoue. Tu peux nous dire ce qui se passe, Bichente? Ah, petit retard de draft, on en profite pour. Bah, c'est, on fait pour vlogger, hein, on imagine. On fait des TikTok. Petit vlog, petit TikTok. Fais les TikTok. Mais Kix, qui a l'air de taunt un petit peu la team à côté d'ailleurs. Ouais. Il est peut-être en train de jeter son gant à Larsen en mode « Alors, c'est Corki ou Azir ?» Et Larsen lui dit « Oh non, comment sait-il ? » Comment est-il au courant ? Comment est-ce possible ? Et aussi, qui va jouer Belvet ? Est-ce que Belvet va être open dans cette game ? Ah, on a quoi comme jungler ? On a Markoon, on a Malrang. Ah, c'est pas des junglers qui sont censés être les hyper carrés, c'est plutôt des volibear players. Hein. Alors oui, maintenant je pense des junglers qui sont censés être intelligents sur le jeu, avoir traîné les trucs, être bons mécaniquement. Je vois mal comment aucun des deux ne joue Belvet. J'ai vu l'historique de Malrang et Markoon et effectivement il y a de la Belvet. Celui où il y en a le plus, c'est Yankos. Ah, ce n'est pas étonnant. Ah, Yankos, il spamme la Belvet comme Jaja. Donc du coup, c'est vrai que Prio ban, a priori. Est-ce que c'est first pickable à ton sens? Ça me paraît dur de first pick Belvet. Je pense que c'est pas une très bonne idée. Tout dépend des autres champions open. Je suis pas certain que les joueurs aient tout compris sur le champion et je pense que pour le moment c'est first pickable, ça ne va pas le rester. D'accord. J'ai quand même le sentiment que. À la rel, c'était bien contré. Petit Volibear, petit Corki, ça met un petit peu mieux en open, hein, quand même, j'ai mon sens. Ah, c'est potentiellement plus fort, mais en fait. Tiumi. Moi, je suis persuadé que le champion est OP et quand un champion est aussi OP. Les joueurs ont tendance à savoir le jouer plus rapidement que les joueurs adverses ont tendance à savoir le counter. Ça va. Moi, j'abuserais. Belvet Yumi. Mais c'est Belvet enchanteur. Belmi. Si tu veux, amuse-toi avec ton Belmi. Ou Yuvet. Yuvet, c'est plus drôle, je trouve. Yuvet, c'est plus drôle. C'est mignon. Ah, un peu. Mais Belvet avec un enchanteur, c'est ridicule. De A à Z, que ce soit Yumi ou que ce soit autre chose. Séraphine Belvet. Ridicule. Peut-être des trucs. Hein. Ah, Séraphine qui est vraiment le, je pense, le vrai pic extrêmement prio sur ce patch. Au-dessus de Belvet. Oui, des lumières sur les joueurs individuellement. Ouais, ça fait 3 semaines. Je sais, mais je trouve ça stylé à chaque fois. Ouais, c'est cool. Non, mais ils tentent des trucs et tout, ce summer en vrai, des bumpers et tout. Écoute, moi, j'aime bien, moi. Tant que le caméraman nous fait pas la toupie et tant qu'il zoome pas sur les pixels, ça me va. C'est bien vrai, ça. Voilà. C'est très très vrai. Allez, on rentre dans la draft, mesdames et messieurs, c'est parti. Alors, la XL en blue side, il faut leur ban Yumi en first pick qu'ils ont pas mal abusé en ce début de saison. Yumi, Zeri,
Luciane aussi, hein, ça fait partie des Luciennes qui font peur, Patrick. C'est vrai, ça. Il n'y en a plus beaucoup des Luciennes qui terrorisent la faille de l'invocateur. Et déjà, Larsen n'aura pas Corki. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Et le Volibert de Malrang retiré par la même occasion. Est-ce qu'on laisse Wukong? Est-ce qu'on laisse Belvet? Ah, j'ai vu Belvet sur. J'ai lu sur les lèvres de. Ah oui, t'es Kukun. T'es chaud quand même pour lire sur la lèvre comme ça. Bah, en vrai, Belvet, au niveau des mouvements de lèvres, ça s'identifie pas mal. Mais réel, enfin je suis désolé. Oh, excuse-moi d'avoir un talent que tu n'as pas. Hein. Non mais du comment ça, genre, voilà. Regarde Belvet et Ban. Comme par hasard. Bah, s'il a dit Belvet. Mais ça n'a rien à voir, je suis d'accord. Et Belvet est retiré en effet par les Rocks. Donc malheureusement, on ne pourra pas revoir ce champion une deuxième fois. Oh quel dommage. Oh, Séraphine banni. Oh quel dommage. Ah vraiment, je. Ah, des larmes coulent. Ah là, s'il y avait un Azirban, on serait vraiment au max. Ah non, je serais. Ouais, on serait. Ah, c'est Nami, forcément, contre Patoche. Du coup, il y a Zeri. Zeri, ça ne marche pas qu'avec Yumi. Mais ça marche plus si bien que ça sur ce patch. Ça reste fort. Ça a été nerfé dans sa version, notamment AP. Mais il paraît que c'est encore jouable dans cette version démoniaque. Et du coup, la version AD qui est toujours active. Alors, on a nerfé un peu les stats de base de Zeri. Mais tout va bien, on en avait en trop de toute manière. Ouverture Wukong. Réponse JP. Et la Kalista qui pourrait être blind par contre. Kalista, très agressive ici. Alors, est-ce qu'on prend Kayle tout de suite ou pas? Il y a Kayle pour répondre à AGP, évidemment. Il y a aussi soit Senna, soit Ashe. Ouais. Quel Senna, là? Boum. Ce serait pas mal, ouais. Quel Senna, je pense que ça cover pas mal d'options. Ça forcera moult ban pour les Rogues en phase numéro 2. Après, Senna pour Patoche Mickey. Ça fait pas rêver, mais d'un autre côté, ça fait rêver parce que le champion pool de Mikix, tu peux sortir beaucoup de choses. Ouais, en tout cas, la Kayle, elle est là, on pouvait s'y attendre. Ce sera une Ari un peu plus conventionnelle. Mm-hmm. Après, on sait très bien qu'on devrait jouer contre un Azir. Donc la Ari, est-ce que c'est vraiment le banger pick ici? Pas obligatoirement, mais ça reste un pick qui peut bouger en early game. On sait que Nukeduck aime setup pour son équipe, que ce soit avec Syndra ou que ce soit avec Ari. Il arrive à le faire de manière assez convaincante, il faut le dire, en ce début de split. Est-ce qu'on attend autre chose que Azir venant de Larsen? Alors, je pense pas, a priori, mais... je vois pas trop l'intérêt. Il y a Azir, il y a Vegar, il y a Lissandra. Lissandra, c'est bien dans sa draft. Hein. Ah, c'est pas trop la cam Larsen, normalement. Du tout. Et voilà, on est sur la cam, on est sur le Azir. Bah, ça, alors. On met les bras derrière le siège. Et on va mettre des Q. Et ça chill sur la mid lane des Rogues. Ah, c'est bien, il va y avoir une prio mid hein, normalement pour Larsen et les Rogues. Prio mid, on sait que c'est important, surtout quand on a a priori une strong bot lane. On a déjà validé le carry AD. Là, on va ban toute la chop and pull de Patrick, enfin au maximum. Et il pourrait retirer son Draven, hein. Il est pas mauvais dessus. C'est vrai, bien vu le Draven, très bien vu. La Senna déjà pour commencer. Après, Senna Draven ou Senna Zeri peut-être? Ouh, Senna Ashe, hein. Il est fort sur Ashe. C'est vrai qu'il y a Ashe, ouais. Ashe est pas mal ici. Ashe vraiment contre Kalista, c'est du délire à quel point c'est fort. Genre tu lâches un petit Ashe Brome là en légende. Mm-hmm. C'est pas forcément horrible. Après, je pense que Mikix a plutôt envie d'avoir un peu plus de go-in. Peut-être un Rakan pour follow-up par exemple, surtout qu'on le sait très très fort sur le champion. Absolument, on va retirer Renata Glask. Allez. Qui saute maintenant pour les Rogues? Qui saute? Ah, c'est dur, et c'est vraiment sur une situation où t'as pas assez de ban. Et là, bon, les gars, faut faire un choix. Plutôt H, plutôt Dradra, plutôt peut-être un support, hein, sait-on jamais. Oui. Genre un Alistar, par exemple. Ce sera le Ezreal. Ezreal, ok. Curieux. Alors, Ezreal, c'est vrai que c'est pas forcément eux contre GP Azir, je pense, même si c'est pas connu comme étant bon contre Kalista du tout. Ah non, ça c'est certain. Mais pas mal avec Brome. Mm-hmm. Donc on en répond. C'est une option. C'est une option tout à fait légitime. Un autre ban de support qui devrait arriver. Petit Nautilus peut-être. Un truc comme ça. Non, pas mauvais du tout. Là on a zéro engage hein, chez les Rogues. Donc Nautilus, Rakan, ce genre de pic. C'est okay, vrai qu'on ban Brome. Curieux le ban Brome. Curieux. Alors pic Vi contre Kayle, j'y crois zéro. Non, mauvaise idée. Pas horrible. Ah, pas assez dash pour la Pops. Hein. Bah, Harry Wukong, c'est pas infect. Ouais, mais Harry peut hold quand même. Ah oui, non, oui.
Le Jarvan de Malran qui va être lock. Oh, il a été buff Jarvan aussi. Hein. C'est vrai. Et puis, passive scale avec les niveaux. Ils ont besoin d'engage, ils ont besoin d'un tank devant. Ouais. Et il va faire ce boulot, même si c'est un boulot dans cette game qui sera très compliqué face à la composition Excel, je pense. Et du coup, il reste encore l'Azeri et éventuellement un random enchanteur ou un autre Sidus, hein, encore une fois. Il passe très bien. Je pense aussi que le Jarvan, quelque part... Il peut sup. Alors, déjà, il peut sup, donc il est flex pick. Mais aussi, il empêche le pick de H et le pick de Draven. Ah oui, oui, absolument. Après, Draven moins, je pense encore. Ah, tu restes immobile quoi quand t'as pas de flash. Même si tu déchires Jarvan, certes, mais là tu prends Jarvan plus ulti GP. Cancel combo et tout là. Le Rakan donc de Mikix. Allez. Du coup, est-ce qu'on a flex ce Jarvan ou non? Réponse dans quelques secondes. Oh. Oh. Eh bien. Ah la popster là. Qu'elle soit support ou qu'elle soit jungle. C'est vrai qu'avec Rakan, elle prend une autre dimension. Même avec Zeri. Hein. Zeri qui est habitué à jouer proche des walls pour son W, mais pour son E aussi. Contre Bobby, tu peux pas te permettre de faire ce genre de choses. C'est vraiment gênant. Ton gameplay, ce sera plutôt. Calistarix, c'est un combo, c'est un banger caché. Hein. C'est un banger caché en solo queue. Ça a de très très bonnes stats. C'est, je crois, sauf si je dis des bêtises, mais j'avais regardé ça il y a 4-5 jours. C'était le duo bot 2v2 qui a le plus haut win rate à travers les elos. C'est loin d'être impossible. C'est clair que c'est extrêmement fort, mais ce sera plutôt un Nautilus, un surplus d'engage du côté des rogues. Tout à fait ok. Ça reste ok, mais Poppy et Tariq étaient, je trouve, très intéressants. J'aurais bien aimé voir ces champions. Les rogues qui sont toutes une composition relativement classique avec une bosslane qui va être très agressive, qu'on va suivre en particulier. On a besoin vraiment de faire passer cette Kalista devant, parce que si t'es pas devant contre Harry Wukong, en tant que Kalista, tu vas pas passer ta meilleure game. Ça va être une aventure très compliquée. Ah, la fameuse serviette de Larsen. Hein. Ah, et si il s'essuie les mains, c'est plus 30% de winrate. Elle a changé, non? Elle a changé. Elle était bleu clair avec le truc orange avant. Enfin, encore heureux qu'il change de serviette. Non, mais certes, mais. En fait, faudrait pour le coup, je suis rogue. Serviette sponsor. Je fais une serviette rogue. Une serviette rogue, ouais. Ah oui. Bah, bien sûr. Et après, à la fin du match, Larsen il prend sa serviette et il la jette dans le public. Ou il la vende. Où ils la vendent. Il y a des gens qui achètent ça. Où ils la jettent dans le public, mais accrochée, comme ça ils la reprend après. J'aurais fait la pêche. Exactement, exactement. Et là tout le monde s'écarte. Voilà, mesdames et messieurs, les drafts sont lock. On va bientôt rentrer dans la faille. À vos paris, à vos croquettes, qui sait. Peut-être que d'ici quelques semaines, il y aura des tickets de Tombola à acheter pour récupérer des goodies OTP. Dans tous les cas, mesdames et messieurs, le match numéro 3, introduction des rencontres du top 6 de la journée, commence maintenant. Et on est parti dans ce fameux match avec Oula. Un niveau 1 qui semblait étrange, un public tout aussi étrange, mais ce niveau 1 de Excel qui a d'être prévu par les rogues, on va probablement se rencontrer. Et normalement, Excel est gagnant, ça se rencontre. On s'en va, il va y avoir la Odo amenée Ward en laning phase. Non? Alors moi c'est le top player qui lâche sa Ward là. Lâche ta Ward Odo. Lâche pas sa Ward Tréton. Peut-être qu'il veut pas la lâcher. Parce que la lane contre Kay, il a peut-être besoin de ce surplus de vision. Mais c'est vrai que c'est un petit peu étonnant. Et j'ai l'impression que les XL, comme ils sont pas hors des botlanes, ils s'attendaient à ce que Rogue fasse ça. Et Mikix a pu quand même positionner une ward qui contre une potentielle invade au-dessus du raid. Et va aussi avoir un raid trinket tout comme Trimby. Donc c'est très intéressant ce qu'a fait Mikix. On va voir s'ils seront suffisamment prudents pour l'entrée en lane. Hein. En tout cas, pas de leash pour les deux junglers. Et premiers échanges, bien sûr, mid lane. Au niveau des runes starter, un petit Harry Spellbook. Je pense que c'est smart de pas jouer électrocute dans Azir. Hein, c'est... Enfin, contre un bon Azir, c'est trop compliqué de prendre électrocute, honnêtement. Ouais, je peux... oh, attention, mes premiers traits sur la botlane face à Mikix. On enchaîne quelques auto-attaques pour compte, mais en réalité, le trade est largement pour l'AXL. Absolument, hein, d'autant plus que. On est parti cleanse pour comp. C'est un peu étonnant. Oh, Mikix peut faire très très mal, il y a un Gordon Sart qui va prendre. Ah là, voilà la directement clé. La clé du côté de comp, on flash in, on va tout mettre sur Mikix qui survivra. Il avait un peu de marge en plus de ça, le support des XL. Je pense qu'on est plutôt satisfait de cet échange. On n'aura pas la transi niveau 2. Il faut respecter et rester sur la tourelle.
J'avoue, le grimoire, quand même étonnant sur Nuke Duck. C'est quasiment jamais fait sur Harry. Mais. Je me demande si ça va vraiment lui permettre de tenir à ce point-là sa phase de lane. J'avoue, je sais pas trop ce que ça apporte en pure lane. Mais dans tous les cas, ouvrir l'arbre inspiration, évidemment, c'est une bonne chose. Attention, une veille de la part de Malrang, joli sidestep Markoun. Et derrière, c'est Markoun qui le remporte sur un contre 1. Il force Malrang un petit peu à reculer. Un Malrang très très agressif, hein. Entreprenant, mais évidemment. Prio mid bot. Exactement. Et surtout la prio d'une Kalista, donc c'est une énorme prio avec un trimé qui peut directement bouger. Et le voici, justement, Markoun. La guerre des poulets remportée par Malrang. Est-ce une véritable victoire? Parce que du coup, il a plus de smite pour le raid. Oh, on va se contenter de ce poulet et aller vers son propre bucket, si j'ose dire. C'est ce qu'il va faire, il va repartir topside. Pendant que l'Axel sont obligés de couvrir un petit peu leur jungler. Et en termes de farming, en termes de wave management, les rogues sont très bien sur la botlane. Ça va être difficile à jouer pour l'Axel. Et a priori... Alors, est-ce qu'on a peur que Markoun vienne botside pour punir le no-flash de Kalista? Parce que c'est une possibilité. Hein. C'est une possibilité en effet. Maintenant, Wukong, avant le niveau 6, pour aller choper une Kalista, c'est difficile. Par contre, je serais fine. J'aurais très peur sur ma top lane actuellement. Si cette wave est suffisamment crash. Ah, le back, ça passe pas normalement contre Jarvan. Hein. Oh, il va le faire check en plus. Oh là 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 là. Voilà, le Q, le E par-dessus. On bloque la retraite. Tu attends. La wave arrive tranquillement. Nuke Duck a plus de téléportation en plus, il a utilisé sur la mienne, donc il n'aura pas d'être fini, il est en 1v2, est-ce qu'il peut outplay ça? Est-ce que c'est pas au dos de prendre l'aggro ici, avec le bio, il flash trop tôt effectivement. Et là, le swap d'aggro est excellent, c'est Odo qui récupère en restant à bonne distance de la tourelle. Petit Q auto, il sort, le kill est récupéré. Oh, bien joué. Très très bon dive, Nuke Duck au trait sur la mienne, Larsen qui se permet de jump in, qui met d'énormes dégâts. Alors qu'on vient de la téléportation pour Nuke Duck, donc ce trade est une catastrophe pour lui en réalité. Complètement. Après Larsen, bien sûr, une référence de l'inning phase. Mm-hmm. Et le match-up Azir, Harry, il est vraiment pas agréable pour Harry Précis. Il est très... Et même post 6, enfin pour moi le match-up est super dur. Ouais. Au moins tu peux pas te faire all-in, c'est ça? Oui, que oui. Dire, hein. Tu peux pas te faire tuer, mais en permanence t'es en galère quoi. Tu te prends un Q, la comète, la brûlure. C'est bon, voilà, de Patrick. Le bump et pas de flash sur cette Kalista qui va bien évidemment tomber. C'est même Patrick qui récupérera l'élimination. C'est le jackpot. Eh bien, c'est super bien joué d'abuser du non-flash, de réussir à trouver une entrée triomphale du côté de... Triomphante, je crois. De Mikix. Qui joue vraiment bien le coup, parce que la trouver sur une Kalista, c'est pas facile en réalité. Et là, en plus, on se permet de push, Mikix qui se fait un petit peu outplay, et un Markoun qui a intelligemment utilisé son flash pour venir donner ce qu'il offrir, ce qu'il a Patrick. Et un Patrick devant, on sait que c'est très efficace. Et voilà, ça reset la wave. Il va se refaire dive lui, hein, le pauvre. Il va se refaire dive complètement. Et hop là, police, c'est sans interdit. Sans interdit tout simplement. On va le chunk. Attention, pas perdre le 1v1 tout de même si Finn décide de répondre. Mais il est encore mêlé, Finn, hein, bien sûr, vous le voyez. On le zone de la wave. On lui a fait perdre 2 creeps d'XP, je crois. Mais ça va, il défend correctement. Finn qui a un petit peu l'habitude de jouer le weak side chez Excel. Ouais, là on n'a pas un Gnar. Au niveau 6, ça devrait aller beaucoup mieux. Hein. Ah, elle fait mal cette fois, qui voit Mikix. Ah, on voit le back en plus, elle fait vraiment mal celle-ci. On a toutes les infos sur les 35 prochaines secondes de jeu de Mikki. Oh, Nuke Duck qui trouve un bon trade. Darsen qui est un petit peu low mana. Et qui au final est peut-être maintenant un peu en difficulté. Il pourrait se faire all-in absolument, mais il ne lâche absolument rien sur sa puissance de push. Il agite. Et Trimbier là pour l'éventuelle punition. Il n'y avait pas grand chose dans ce move, hein. Tout ce qu'on voulait c'était push la wave. Mission accomplie. Ouais, bon mouvement quand même de Nuke Duck qui reste bien derrière ses creeps. Qui arrive à se défendre, Larsen qui est à la recherche de petits fruits dans la river. Et il n'y en a pas malheureusement pour lui. Ah si, son ADC les lui a laissé. Qui les a volés? Bah c'est cool, mais en vrai il les lui a laissé et il n'est pas allé chercher Larsen. Oh, attention, oh Markoun, très bon angle, ça passe au niveau de cette entrée triomphale. Et Combinant qui est ralenti, il utilise la cleanse, il n'a pas encore son flash de up. Le focus est maintenant sur Markoun qui prend une dernière salve du barrage d'Odo amené. Et les rogues, quelle contre-attaque! Ouais, c'était bien timé sur le flash de la Kalista qui revenait que dans 8 secondes. Du coup, on a voulu tout mettre du côté de Mikix, mais on n'était pas forcément coordonné et on a totalement oublié l'ultimate de GP. Dodo Amné qui fait toute la différence ici. Et maintenant les rogues vont pouvoir commencer un véritable snowball parce qu'ils sont très bien en bot lane et très très bien en top lane. T'es bien placé cette ulti, je suis bien d'accord.
il se retrouve à prendre deux assists. Il était déjà bien dans son match-up au Domné et ils n'en demandaient pas tant. Il va y avoir des gros barils dans ce match, en espérant qu'il ne se fasse pas astro-counter par Kyle Zeri. Parce que Kyle Zeri sur les barils, ouais, c'est quasiment auto-win. Allez, Excel qui veulent vraiment punir l'absence de flash. Oh. Et puis il défend quand même très bien parce qu'il joue le W. Et là, Marcoun, il est bloqué. Trimidge a fait un très bon boulot de défense. Ah, et l'ulti est vraiment magnifique. Hein. À l'optimisation glaciale et l'ulti GP par-dessus. Oh, c'était fatal. Hein. Ouais, les Rogues, en early game, un petit peu comme leur réputation, ils sont vraiment bien actuellement. Ce sera surtout en mid-game qu'on va beaucoup les observer en raid. Ok, oui. Après, avec une top lane un peu amoindrie, ça devrait faciliter le mid-game. Mm-hmm. Par contre, on n'a toujours pas pris d'avance sur tout ce qui est dragon, Herald. Le Herald peut-être va-t-il être pool dans les secondes à venir. Mais voilà, ce petit dragon infernal qui chill depuis 3 minutes déjà. Excel qui ont l'air de vouloir fight le héros de la phase, qui est super surprenant. Je pense Nabu que Kong. Ah, il faudrait se diriger vers le dragon, c'est un call bien plus safe pour la Excel qui perd un petit peu de temps. Et qui vont laisser tomber ce héros de la faille. Ah, mais on a Marcoun sur ses loups, hein. Des loups au dragon, il y a une petite trotte. Donc je pense que cette fenêtre, malheureusement, va se refermer. Et le play héros de la faille, où est-ce qu'on le recommande? Est-ce qu'on veut mettre fin à la ligne phase top, à la ligne phase bot? Ah, je pense que sur un comp et tenter même un dive sur Mikix et Patrick, ils ont tous les deux pas de flash. Avec Kalista, j'imagine que je vais botside et le meilleur plan, surtout que Larsen a l'air d'avoir toujours une belle priorité sur sa mid lane. Ouais, il bosse Nuke Duck au corps. Nuke Duck qui s'avance. Je suis agressif, Nuke Duck. Hein. Joli travail avec l'arrivée de Marcoun. Belle partition impériale, Larsen. Il n'a même pas dash. Exemplaire. Sur un Mekix, force au jump out sur cette encre de Trimby, on est toujours pas niveau 6. Pour Mekix, on peut donc pas du tout prendre de fight, on peut donc probablement pas défendre ce dragon. Donc, récupère tout hein, chez les Rogues. Oui, je joue vraiment bien. Je joue méthodiquement. On va voir comment on combat Snowball son avantage. Et c'est bien de voir les Rogues qui tiennent largement la. Alors, ils ont le match-up, hein, mais quand même, qui mettent un peu en difficulté à Bolten de Excel, c'est intéressant à voir. Il y a un petit Malrang Effect, hein, comme d'habitude. Malrang Effect, plus GP au-dessus qui vient assister l'action. Ouais, ça fait beaucoup d'aide globale, hein, mine de rien. Clairement. C'est intelligent. Strong Side, bien utilisé pour les voleurs. Mais attention, il va falloir se méfier de Marcoun maintenant. Du côté des Rogues, c'est pas le moment de prendre un trade. On voit un Mekix qui joue super agressif. Et toujours pas de niveau 600, c'est un gros problème pour ce Rakage. Bon, je pense qu'il va l'avoir cette wave, j'espère qu'il l'a sur le canon, je pense. Pendant que sur la top lane, on voit un Dohamné qui est très bien nourri. Trinité déjà. Oui, mais 1000 gold d'avance sur Fine. C'est beaucoup, hein. Et botlane, en vrai, ils ont pas tant d'avance, hein. À part ce qu'on aurait pu croire. C'est vrai, je vois pas le... Ah non, on voit pas le creep score, ok. Ah, le voici. C'est parce qu'il y a une plaque qui a été récupérée, j'imagine. Vraiment, ça joue le plus agressif possible. Oh, Marcoun, belle lecture. On a au moins l'info. On est au moins en train de sécuriser le farm de Fin. Et Malrang qui a l'air de vouloir mettre son héros de la faille sur le topside. Ouais, je sais pas trop. Hein. Je suis pas fan parce que je pense que ça arrange Fin, non? Bah, exactement. Ouvrir cette lane, en fait, c'est... Bah, fermer les possibilités de jeu sur la lane de Fin en réalité. Mm-hmm. Et puis surtout lui offrir probablement des waves qui vont lui donner du free farm. Bah ouais. Sans qu'il soit touchable, diveable. Je pense que là il y a vraiment un long moment dans lequel Odoamné va dominer son 1v1 au vu de l'avance qu'il a. Donc autant le laisser profiter. Ça attire toute l'action, tous les joueurs sur ce topside Odoamné. Qui n'est pas vraiment dans de beaux draps, je le pensais un petit peu mi-cuit, mais les Excel qui ont fortement hésité à s'engager. Peut-être qu'ils n'avaient pas l'information de suite sur le Nautilus qui là maintenant est vu en bot lane. Oui. Et du coup, par contre, pour Patrick, en 2 contre 1, en tant que Zeri contre Nautilus Kalista, tu peux pas faire grand chose. Il n'y a pas de jeu, très clairement. Malrang sur le side, on a vu Wukong top, donc Fin. On reste en sentinelle. Fin, très bon réflexe sur le flash. Mais c'est malgré tout un flash tombé et normalement le push Herald devrait suivre et le voici. C'est une tour tout simplement pour les Rogues
Attends, mais s'il back là, c'est deux charges. Il a été confiant. Il a vraiment été confiant. Non, mais c'est double charge là. On va loin d'être impossible. Est-ce qu'il va réussir à push assez vite au dos amené? Est-ce que c'est une meuf canon? Non, non, je pense qu'il push assez vite. Hein. Ouais. Ça a rechargé. Double charge. Au final, la double charge valide complètement le move. Et puis même, il parie sur le fait de lui donner beaucoup d'avance dès maintenant. Donc s'ils accélèrent, si on fait remosser un petit peu ce GP, qui donne qui transfère un petit peu son avantage sur les autres lanes, c'est pas horrible pendant que Comp a... Oh. Son premier médic prend de gros trades sur Patrick. Et t'as le tempo instantanément stacké. La prudence est de mise en pour les rogues, parce que là on est sur un timing shieldbo. Bon, des deux côtés c'est certain, mais j'y accorde un peu plus de valeur sur Kalista. Quoique le passif de Zeri. Zeri qui vole les shields. Sur un shieldbo, c'est pas dégueu. Hein. C'est pas dégueu, mais plus de valeur comme sur Kalista, je te rejoins. Mais c'est vrai que ça d'ailleurs c'est un truc, je crois pourquoi il y a ça dans le kit de Zeri. Ce cadeau. Bah ça n'a aucun sens. Ce cadeau. Bah oui, mais c'est une honte. Quand tu joues Rakan et que ton passif lui donne un shield et quand tu joues Nautilus et que t'appuies sur W et que tu donnes un shield à Zeri, c'est pas normal. Tu. Ouais mais dis-toi, quelque part, c'est aussi un moyen de counterplay Yuumi. Et est-ce qu'on aime pas ça? Ouais, partition impériale, livraison spéciale sur Malrang, Nukeduck qui tente de s'enfuir tout simplement. J'ai cru qu'il voulait jouer le 1v2 parce qu'il avait Ignite avec son spellbook. Mais ça a l'air d'être un petit peu compliqué. Oh dommage ce bisou. Oh le pré-shot. Oh le pré-shot ici, mais on a du backup du Nuk qui va s'en sortir Malrang. Qui prend la rafale de la tourelle mais qui tente comme un dieu. Merci au dos amené pour l'assassinat. Markun qui met tout, qui flash in, qui force le flash de Larsen. Est-ce qu'il va réussir à attraper Malrang? Il a plus de CD actuellement Markun. Malrang qui se repositionne, qui ne mourra pas et c'est maintenant Trim, mais qui va essayer de re-engage sur le singe, qui prend l'ultimate. No. Il a son clone, donc il est safe, Markun. Attends, mais c'est les Rogues ou c'est le Barça? Je ne comprends plus. Ils ont vraiment, vraiment bien joué le coup, les Rogues. L'ultimate de GPO d'amené encore une fois clutch. Il était trop bien placé encore. Et encore un nouveau stuff pour Malrang sur son Jarvan. Oui, tout à fait. C'est le gantelet. Le gantelet, le gantelet. Oh, Patrick c'est... Ouh, c'est évité, ça on l'évitera pas. Flash in, on appuie sur R. Attends, il était où son... Il avait plus de soldats à leur scène, j'imagine. Je pense qu'il devait être relativement nu. Bah bien joué de la part de Patrick qui s'en rend compte, parce que c'est pas si facile de s'en rendre compte. Mmh. En réalité, contre un Zer qui prend une interruption, ça va lui faire du bien. Petit shutdown, on est 400 gold. C'est un first blood. Surtout, c'est surtout de l'expérience pour Patrick. Ça a beaucoup de valeur, on va peut-être revoir l'action. Mais oui, le build, cet objet en jungle, c'est vraiment une dinguerie. Mmh. Il est vraiment très fort. Ah, il est en promo. C'est vrai qu'il coûte pas très très cher. Que si tu fais cet item et cœur gelé, ça te coûte, si je dis pas de bêtises, 5300 gold. Nukeduck, il a pas d'ulti. Il le sent, Nukeduck, sérieux? Bah, très très bien. De pas s'avancer ici, c'est vraiment très bien. Les narines de Nukeduck? Mec, en vrai, c'est vraiment fort. Hein. Parce que là, s'il meurt maintenant, il perd la tour derrière. Là, du coup, il va pouvoir défendre la tourelle pendant quelques waves, pas forcément entièrement, mais. C'est une erreur qu'on aurait pu le voir faire en spring, je pense. C'est sûr, c'est sûr. On n'a pas d'ulti Nautilus, ça a l'air un petit peu risqué tout ça. Joli ralentissement sur Comp, Comp qui cleanse. L'arrivée de Markun, on n'a pas de cyclone. 3, 2, 1, il a le cyclone maintenant Markun. Il va pouvoir tournicoter. Vas-y, tourne Markun. Oh, il a Q la ward. Ah, Nukeduck, dommage, Mikix qui arrive à prendre le kill. C'est un petit peu dommage de ne pas laisser à Nukeduck qui a super bien joué le move. Il a jump out sous l'ultimate de Nautilus, il a réussi à placer son bisou. Vraiment, Nukeduck. En termes de mécanique sur ce play, c'était tout simplement parfait et ça ouvre peut-être une tourelle au Excel sur cette bot lane. Mais ça ouvre peut-être une tourelle au Rogue sur la mid lane en réponse. Je pense pas qu'ils puissent. Bon, mais en tout cas, ils auront l'opportunité avec le héros de la faille. Tout à fait. Non, qu'il récupère, qui est un petit peu chassé par Mekix, mais il est très loin d'être en danger. Et deux items complétés pour le GP d'Odo amené. Sentil en plus. Le Kraken. Kraken. Pardon. Le Kraken pour Finn à l'instant. Il a une grande majorité. 2600. Ouais, il a vraiment quasiment tout l'avantage en gold est quasiment concentré sur lui. Et il a pas de shutdown. Ça n'a pas en vrai, pourquoi ils ont pas de shutdown les rogues? Peut-être qu'on les voit pas sur cette interface. Je pense, hein. Est-ce qu'il y avait un shutdown sur Larsen? Il me semble pas l'avoir vu.
Ah, on nous confirme que c'est la DA qui n'a. Ah, on essaye de balayer les trucs sous le tapis, si j'ose dire. La DA nous ne permet pas de voir les shutdowns. On les voit que quand il y a kill. On se sent peut-être mal avec cet ajout S12. Ah, Riot Games s'est peut-être dit qu'ils se sont trompés sur l'équilibrage de la méta shutdown. Mais attention, hein, on la voit la boss sous le tapis, on la voit la boss. La France n'est pas dupe. Non, on n'est pas dupe, monsieur. Et réponse de la France, non. Voilà, tout simplement. On peut vous annoncer que ce Jarvan et ce GP ont probablement un shutdown. Oh, attention, on va essayer d'accélérer. Très bon réflexe encore une fois de Marcoun en termes de clone. Par contre, cette tourelle-là ne résistera pas aux auto-attaques de Larsen. Et le disque solaire pour la couverture fine. Comment se passe le 1v1? Ah oui, on a appelé l'hélicoptère instantanément. Et on repasse bot lane avec le catcher Nuke Duck qui est forcé à l'ultimate. Et c'est déjà une victoire. C'est une victoire parce que je suis pas sûr qu'il puisse défendre la T2 tout seul avec surtout le héros de la faille, pas encore consommé par ce Jarvan. Et du coup, on est obligé d'aller à la rescousse pour Mekix, mais on est un petit peu zoné par Trimby. C'est vraiment pas mal ça. Je pense pas que ce soit la tourelle. C'est vraiment pas mal du tout. Oh, ça pourrait mettre assez de pression. C'est pas mal, Marcoun se fait chunk en plus. Ah, c'est très bien ce que font les rocks parce qu'en plus de jouer sur ce bot set là, ça leur permet déjà de préparer le prochain dragon. Et là, Mekix pourrait se faire attraper, ça peut aller très très vite. Hein. Il se fait déchirer au vu de son build actuel par les rogues. Finn qui est premier en XP, tiens. Ah, il a fait que de farmer sur la scène. En vrai, bah, le fait qu'ils aient ouvert cette tourelle. Mais on est d'accord. Et du coup, il a totalement comeback son CS count. Et attention, superbe catch ici sur Marcoun. Marcoun intelligent. Malin comme un singe, bien entendu. Est-ce qu'on pourrait passer de se retourner, Nuke Duck qui essaie de clear la wave, mais qui a pris beaucoup de dégâts. Et là, Malang, il a un flash. Malang a probablement un free kill. Il a un flash. Superbe flash, il a même évité les dégâts. Malrand qui décide de flash in et qui malheureusement va être puni pour sa cupidité. Nuke Duck est vraiment très bon parce que son flash le sauve totalement. En effet, il a pas pris les dégâts du cataclysme. Et juste avec le red smite et l'ultimate, je pense que Malrand avait le kill. Avoir Malrand qui se fait all play, c'est pas si souvent. Ah, il a été gourmand. Il a été gourmand. Alors qu'il a un build. Bon, c'est pas un build de gourmandise, si j'ose dire. Et attention, parce que la composition de Axel est relativement bien scale. On sait qu'en termes d'équipe, en mid-game, ils sont vraiment bons pour les rogues. Malrang, on t'a connu plus sage que ça, quand même. Après, je pense qu'il voulait 100%. Ouf, il est beau, hein. En fait, il s'est fait turbo outplay parce qu'il voulait Dendieu. Et comme il était charme pendant le travel time, il pouvait pas Dendieu. Et si Dendieu, ça porte le flash Nuke Duck plus tôt, et du coup, il a le kill, et il se dit, bon, bah, ok, je le trade kill, mais avec le shutdown, quoi qu'il arrive, je pense que c'était grave. Est-ce que ça valait le coup globalement de prendre cette initiative, hein, c'est un peu ça la question là, la plus importante. Je ne pense pas. Et la XL ont l'air de vouloir fight le dragon et même de vouloir le récupérer très rapidement avec un Mekix qui temporise le jungle adverse. Attention à la guerre du smite, 1000 bientôt sur le point des 900, c'est magnifiquement sécurisé par Marcoun. Hein. Et Ulti GP qui part un petit peu dans le vide, on arrive à s'en sortir pour finir. Et Mekix. Et là pour les rogues, est-ce que ça aurait pas été le moment de lancer un call Baron Nashor instantané? Parce que tous les XL étaient bot side, ils ont grid de fou pour jouer le dragon. Faut récupérer des choses, ce sera la T1 mid lane, c'est déjà pas mal pour les rocks. Avec peut-être la vision autour du Baron Nashor par la même occasion, lorsqu'on sort de ce petit move. Et le truc c'est qu'il a pas de ward trimé, donc il est obligé de reset. Ah ouais, en effet. Alors on voit qu'en termes de gold, vraiment, on doit amener est loin devant tout le monde. Mais le problème, c'est que la Kayle est niveau 14, et en termes de gold, on s'en fout du côté de Finn. Si on atteint le niveau 16, on est content quoi qu'il arrive. Tic tac, tic tac. Après, il y a un Azir, hein, donc tant qu'il y a un Azir, il y a de l'espoir contre une Kayle. Mm-hmm. Tu peux la maintenir en respect. Par contre, le Wukong, à mon avis, ça va être... il va avoir un second souffle dans cette game, sachant qu'il aura une immunité. C'est vraiment fort, ça. Oh, que oui. On l'oublie souvent dans Kayle, parce qu'on voit que ses dégâts sont attaques qui sont dingues, mais l'ultimate, c'est l'un des spells les plus forts du jeu, vraiment. En plus, ça fait mal, hein. Ça fait mal de fou. Peut-être pas dans la version Kraken Phantom Dancer de Kayle, mais... Oh oui, mais qu'est-ce qu'il va gagner sur Trimby? C'est vrai que Trimby est peut-être un petit peu seul ici, il va prendre un poke, mais maintenant Trimby va se retourner. Bah, il est niveau 8, il prend aucun damage de la part du midlaner adverse. Grenade ASM, on pré-setup. Malrog qui va punir, mais quel cataclysme absolument incroyable. Larsen. L'arrivée de Larsen qui s'est fait interrompre son dash par le cyclone et c'est pas gagné d'avance pour qui que ce soit. Larsen est en train de bourrer, c'est vraiment l'arrivée de Doamné. Il y a Eris Larsen, de Larsen et quel bisou de Nuke Duck. La patte, la
Tapa qui essaye d'enchaîner maintenant avec sa série, il est toujours sous ultimate. Oh, Patrick qui bloque absolument tout. Il y a Finn qui arrive, on doit reculer pour les rocks. Trimby est condamné, flash de Patrick. Patrick qui met absolument tout. C'est Pikachu qui s'envole ici. Oh, mais deux avec un ultimate de kill. Oh. De Kyle, on récupère tous les kills en plus. C'est ça, triplé pour Finn. C'est quasiment le throw complet des rogues. Et la game qui est levée en Y par les XL. Baron Nashor en sortie. Aucun espoir de le voler, tout le monde est mort. Mais Larson. Oh, Larson, hein. Qu'as-tu fait? Aïe, il s'est pris un petit bisou. Pourquoi il flashait? Mais je sais pas, ils sont cupides les rogues aujourd'hui. Entre Malran qui va chase entre T2 et T3 et. Et Larson, tout ce qu'il a vu. C'était une partition impériale. Ah. Il a été matrixé. Regardez-le juste ici. Parce que là, il y a quadruple bump. Il va se prendre un bâton là. Regardez le bâton. Hop. Allez, calme-toi. Surtout qu'il peut juste DPS en soi. Bah oui. Je suis bien d'accord. Mais c'est surtout là. Pourquoi il fait chier? Eh bah écoute, il y avait un Markoun low HP. Et c'était tout à fait inadmissible. Mais t'es voilà. Et c'est. Après. Ex. Non, non. Non, mais peut-être qu'il il est en mode. Si je tue le smite. Non, si je tue le smite, c'est cool, tu vois. Par contre, Patrick, en termes de mouvement derrière, ce qu'il a fait, c'est indécent. Ce move est horrible pour deux raisons. La première, c'est Zeri. Pour trois raisons. Première, Zeri. Deuxième, Harry. Troisième, il y avait Kyle midlane hein, pendant qu'il a fait son flash-in. Donc vraiment, il y avait. Ah non, il y avait rien là. Il y avait rien. Ça se trouve totalement la bonne game. C'est un petit peu ce dont on avait peur. Les rocks qui font un bon dans les games, ouais. Qui en mid-game se prennent les pieds dans le tapis. Et maintenant, regardez les XL sur la carte qui sont en train de tout récupérer et on essaye. On essaye d'arnaquer les bots, ouais. Et on va se faire surprendre. Par une quelle niveau 15 qui décoiffe. Alors il a pas de flash donc je suis pas sûr qu'il puisse en V2 quand même Finn. Attention, est-ce qu'il a pas a de un fiant. Jugement? Non, il a absolument rien, tout ce qu'il peut faire c'est DPS. Mais pendant ce temps là ça push très très fort sur la mid lane. Donc ils vont perdre une T2 pour ça, les rocks qui vont tuer de push d'ailleurs sur la bot lane. Ça reste un play correct mais qui par contre se perd un petit peu, qui pourrait se faire one shot, il se fait one shot par comp. La bavure, bien vu Trimby, joli piège. On veut continuer directement sur Patrick. Il a dash un mur, il pourra pas en dash 2, mais quel superbe sidestepping. Par contre, je pense qu'il n'a pas de solution, le botlaner des XL. C'est maintenant Markoun qui s'est un petit peu attrapé. Il y a des errements du côté des XL. Allez, reste à la maison. Oh, il revient. Il revient. Est-ce qu'il peut réussir à tuer Larson? Il va tout donner, Markoun. Bon, jump out très très bien pour ce Azir qui s'en sortira. Et je vois ton trop. Et je le relance d'un nouveau trop. Et on s'en sort. Trop. On s'en sort en réalité correctement pour les rogues. Le play bot lane était très intelligent, il a surpris la XL. Et d'ailleurs, on s'est un petit peu laissé avoir par un très très bon play de la bot lane des rogues avec un comp qui a 3 items. On l'a peut-être un peu oublié, cette Kalista. Bien d'accord, alors que Kalista, normalement, à peu de choses près, c'est un menu maxi best-of hein, pour Wukong. Mm-hmm. Pour le coup, là, le play des rogues était vraiment bon. Et donc on a une game plus ou moins even, on a deux équipes qui se battent véritablement, mais là, il y a une équipe qui triche, parce qu'il y a une équipe qui a une quelle niveau 16. Tout à fait. Pas encore de Wit's End. Ah, Finn, ils vont give up ce Drake, les XL. On a vu Finn pinger le topside. Il veut son au bout du rouleau, ce que je peux comprendre. Parce que Larsen est vraiment, je pense, la menace principale pour cette Kayle, en tout cas. Totalement. Du côté des... D'Axel, faut surtout pas oublier le GP hein, sur un bon barrel. Ouais, il est. Fait mal hein, là, ouais, il fait mal. Hein. Bah, dans la game, il est un peu timide, j'ai pas vu de dinguerie de GP pour le moment, mais quand ça va arriver. Mais il y a Zeri, Wukong, Kayle. Harry, c'est dur. Bah, c'est baril. Le baril de GP, faut. Soit il y en a dans les buissons, soit il y en a pas. Hein. J'avoue que c'est difficile à mettre. Mais surtout qu'en plus, il y a de la mobilité de fou, quoi. Ouais. Après, rien que l'ultimate, délirant. Ouais, c'est bloqué pas dégueu, mais encore une fois, ils sont mobiles les XL. Hein, donc, de toute façon, à mesure que la game avance, l'ulti GP est logiquement moins fort. Mm-hmm. Normal. Alors, qui vont préparer sur le top 7 un petit peu de vision pour jouer dans 2 minutes le Baron Nashor. Et encore une fois, c'est autour des XL. Essayer un move en side à 2 avec le jungler qui shadow un petit peu son laner. Mais on respecte bien, on doit amener à l'expérience qui se fait pas piéger. Par la présence de cette Zeri et de ce Wukong. Et du coup, les rocks peuvent s'avancer sur le top 7 et peut-être attraper Mikix. Ouais, et les XL qui vont rester sages le temps de récupérer deux cooldowns de flash extrêmement importants sur Patrick et sur Finn. Ils arrivent. C'est une affaire de 15 secondes. Et après, on va pouvoir avancer et reprendre le contrôle de
de cette vision. Votre appel Arsène, il semblerait pour ouais. Axel. La map est en carré. Hein. Ouais, on court tout droit, juste on veut le faire un petit peu reculer. Une minute 20 avant le baron Nashor, tout le monde fait ses resets, on essaie d'avoir un maximum d'items. On veut le rabaton du côté du duck. Et en soi, il n'y a pas de véritable avantage de stuff d'un côté ou de l'autre, tant qu'il n'y a pas lieu sur Odo amené. Je pense qu'il en est pas si loin, Odo. Bah, je l'espère pour lui, parce que Kayle est activé. Hein. Mm-hmm. Ah, ça va être un combat teamfight, tout simplement, entre les deux équipes. Deux équipes qui ont parmi les meilleurs teamfights, évidemment, de LEC. Sur le papier, Axel a montré un peu plus dans ce split, mais en spring, Grog, en 5v5, surtout quand on avait le Azir de Larsen, a globalement bien fonctionné. Ah, tant qu'il ne perd pas son cool, si j'ose dire, ça devrait le faire. Parce que là, honnêtement, contre une Kayle et contre un Rakan, Dashin, c'est vraiment juste une énorme bêtise. Attention. Autre ennemi, pour tarif. Forcé au flash, forcé à l'ultimate de GP, on perdait, c'était important. Un peu rapide, hein, peut-être, cet ultimate. Après, le push de GP est bon botlane, il va forcer une réponse de Finn qui va devoir aller traverser toute la carte. Il a perdu la T2, ça c'est sûr et certain, et Odoamné aura le temps de back. On est toujours en contrôle, disque solaire, il n'y a pas de soul point. Pour l'instant, c'est encore la game de n'importe qui. Ça va être vraiment au tour du baron Nashor. On va avoir le prochain play, c'est sûr et certain. On prend le temps de reset du côté de Mykix. Et malgré le nerf, le double Zeri fait mal quand même. Hein. Bah, en version AD, ça va. Hein. Enfin, ça change pas grand chose. Le spell est pas légit. Hein. Bah, pour une raison assez simple. C'est que crit sur un spell, c'est pas censé être normal. C'est vrai, ça. D'ailleurs, si on y réfléchit, les mages ils critent pas. Sauf Zeri. Ce serait bien qu'il y ait des mages qui critent. Ah non, ce serait le bordel. Il faudrait réduire tous les dégâts de tous les spells du jeu, c'est... Imagine un spell, c'est qui crit. Oui. Oh, Mykix. Pas forcément ça. Mais il prend pas de dégâts, Mykix, malgré son build. Bah oui, je suis... Après, il est... Ouais, enfin, non, le build de Malrang... C'est Malrang, c'est Monsieur Esclave dans cette game. Ah, c'est compliqué pour lui. Il met des hémorragies et puis c'est bien. C'est vrai qu'il y a Anivia qui crit. Ouais, son E, ouais, c'est vrai. Quoi, il y a Ryze aussi qui crit. C'est vrai qu'il y a Ryze. Bon, c'est des exceptions plus que des règles. Faut pas crit avec les items, voilà. Ah mais le chat aime à contredire. Non mais le chat d'Ultra, c'est bon les gars. Non mais ils veulent contredire, c'est pour ça. Mais... C'est bon les gars, vous avez une énorme culture. On la voit qui dépasse de votre pantalon, c'est bon. J'ai cru que t'as dit autre chose avec le... C'est commencé par qui, je me suis dit, ah oui quand même. Quand même, on en est là. Là, Axel qui se mettent plutôt sur le bot side, qui veulent attraper Odo amené. Mais du coup, sur la mid lane, ils sont peut-être un peu en difficulté. On a du coup Trim qui s'avance, il a deux niveaux d'avance. Et on se bat pour le push sur la middle lane, mais bon, Zeri à ce niveau-là est quand même très très forte. Ouf, jolie tentative, Trimby. Alors, qui va l'engager ce Nashor? Est-ce que c'est bien d'avoir la position? Kix, ça va. Est-ce que c'est vraiment le plus confortable? Pour les barils, certain. Certainement. Finn est là, Baron qui n'est pas encore pool. S'il arrive à attraper Patrick, c'est big. Non. Combat plus cleanse. C'est le time to shine de Larsen et Odo amené. Est-ce que Mykix a une pink? Non mais il a des wards, j'ai l'impression. Et il a même une pink, hein, c'est une pink qu'il a positionné Mykix. Donc ils ont l'information là, Excel ici. On a vraiment pool. Oh là là Mickey, oh là là Mickey. Mickey qui trouve le flank exceptionnel. Non, il s'est loupé. Il s'est loupé, mais le fight est encore jouable pour l'Excel. Finn est debout. Les rogues sont très très bien. Oula. Ils sont en 5 contre 2 maintenant. On doit reculer pour l'Excel. On s'est fait totalement déchirer. On pourrait peut-être push sur la top lane. Il n'y a que deux joueurs en face. Est-ce qu'on peut tenter de terminer la game? Je pense pas que la wave soit suffisante. Ils vont le tenter avec une téléportation, c'est pas impossible hein. Patrick s'est fait déchirer. Ils les ont dépop, je suis sous le choc. Les flashs sont toujours up pour Patrick et Mickey. Patrick? Mickey qui était pas loin de 1v9 la game, mais les rogues ont juste magnifiquement sidestep. Genre je suis outré. Bravo à eux. Finn a pas de flash hein. C'est dur pour Finn de défendre ici. Et la wave, y a juste deux casters. Faut attendre un petit peu. Wow, Malrang qui décide d'amener la brouette, mesdames et messieurs. C'est peut-être le push final. Toujours discutable, Nuke toujours Nuke jouable, Nuke. Mais il y a la Kalista de comp qui va transformer Nuke Duck en hérisson. Nuke Duck qui temporise magnifiquement Nexus Open. Il faut aller au bout, il n'y a pas d'autre choix. Les respawns s'enchaînent, c'est le comp retour de Patoche. Comp. Mais regardez, comp, il est incontrôlable. Il se fout le stack gauche-droite, gauche-droite. Il s'est fait voler son
franchit le mot. Larsen, et la maintenant. Défense peut tenir. Larsen, attention à ce sniping. Patrick qui loupe un petit peu. Larsen qui peut dépasser Nexus. Larsen qui peut peut-être faire la game mode. Il connaît Patrick, mais on est réceptionné par Larsen et par les Rogues qui l'emportent face au Excel. Et voilà une victoire extrêmement précieuse pour les Rogues. Les Rogues qui étaient coincés dans le lobby entre bottom et top. Eh bien, les voici. Les voici bien mieux ancrés dans ce fameux top 6. Il faudra revoir ce teamfight autour du Baron Nashor. Comment Patrick a pu se faire attraper avec deux summoners. Et il s'est fait Wukonged, je pense. Bah non, je suis bête. Il s'est fait Nautius, je pense. Ouais, il s'est fait Nautius. Je pense que Nautius l'a totalement déchiré. Et surtout, on a vraiment tout mis sur le combo Kale Wukong. Et on a un peu oublié qu'il fallait pile Patrick, je pense, côté Excel. Et surtout, les Rogues ont bien joué, très très bien joué le fight. Comp fait une super game. La botlane même des Rogues dans la globalité. Oula! Qu'est-ce qu'il arrive? Il lui a cassé le bras? Non, je crois qu'il a fait un mini malaise, j'imagine. Oh, ma peau! Bon, mais vous! C'est-à-dire les joueurs Excel qui s'occupent de lui. C'est peut-être... Non, mais il y a eu trop d'émotions. Peut-être qu'il s'est pété la cheville en montant sur le truc, non? En vrai, ça arrive. Non, c'est d'avoir trop d'émotions après une game de LoL. Comme si tu y allais toutes les semaines. Non, mais ça m'est arrivé, c'est pour ça. Ah, d'accord, ok. J'ai eu ça aussi en game. C'était un câble, du coup. Non, c'est... vraiment, tu peux avoir une. Quand t'as beaucoup d'adrénaline, t'as une descente et tu peux la sentir des fois. Donc, force à lui, mais c'est pas. Ah, non, j'espère que c'est pas grave. Force à lui, à Bichente, on compte sur toi, tu me donnes des nouvelles, hein, si jamais. Ouais, demande si Larsen va bien. Parce que attends, la fin de game, les BPM sont montés très rapidement, je pense. Vraiment, ça arrive. Ça, on l'a vu avec sa baguette. Ouais, et c'est lui qui a tenu la fin de partie. Il a très très bien joué, il a bien space, il a bien auto-attack le Nexus. Et les Rogues, un gros throw, après ont très bien joué et ont très bien défendu le Baron Nashor. Très bien défendu, les Rogues, une victoire très précieuse, comme on vous le disait. Précieuse. Précieuse, oui, tout à fait. Parce que j'ai été un petit peu surpris, parce qu'il y a un mec sur le chat, il était là. Le Q-spell de Mordeux est crit. Il est toujours dessus. C'était terrible. Qu'est-ce qu'on aura en interview, mon cher Bichente? Trimby. On aura Trimby, mesdames et messieurs, après 1 minute 32 pause. À tout de suite sur le bureau d'analyse.